Eh, bonjour, bonjour, bonsoir, bonsoir, bonjour, quel que soit Koutouye. Eh, moi, salut, non? Et son fils, il m'a là. Et, on va aller moins. Donc, moi, salut, non? Cher live là. Comment nous y est? Salutations. Salut tout le monde. Tout beau salut. Beau salut. Il a fait parler, je veux dire, là. Sur l'évolution. Yep. Ça va avancer, Red, lui, là, on a frappé Red. On a préparé. Salut, nous. Salut, beau salut. Comment nous y est? Bon. Et je dis à la et Marie-Basile, comment est belle madame, salut, ou son plaisir, ou nous ensemble aujourd'hui en là. Il y a un pile monde qui posait moi une question par rapport avec cette nouvelle révolution que m'a prôné. Sur les réseaux sociaux et mon besoin en quelque sorte que m'apporter quelques éléments pour me capable supporter des marches à oui. Maintenant, je vais être clair. Moi, je fais usage de langue colon, qui c'est la langue française, pour me capable faciliter la compréhension de certains de nos élites colonisées. Ceci étant dit, mes chers amis, pour faciliter la compréhension de nos élites, moi contraint par les forces des choses pour essayer faire vidéo, faire la vidéo en français. Moi-même, m'a fait effort constamment pour me sortir dans une démarche colonisée, bien que moi-même aussi me former dans l'école coloniale. Maintenant, ceci étant dit que m'inscrire peut-être en perspective pour me capable de sortir là-dedans. Et ceci étant dit, on va laisser dans possible moins, pour moi, si je suis capable de faire un exposé magistral sur raison, en fait, qui fait que Haïti besoin d'une révolution. Et cette nouvelle révolution, mes chers amis, c'est une nécessité historique pour Haïti. Maintenant, tout d'abord, je vais faire une présentation du plan, le plan que je vais suivre pour cet exposé. Et dans un premier temps, nous pourrons aller parler des échecs systémiques et des instabilités politiques que Haïti connaît depuis plus passé deux siècles. Et dans un deuxième temps, nous pourrons faire une analyse des séquelles économiques, socioculturelles de l'histoire coloniale qui impactent sa gain en quelque sorte sur notre devenir historique. Dans un troisième temps, d'après identifier l'ensemble des forces colonisatrices de l'esprit de l'haïtien et d'après identifier des institutions clés et rôles à jouer dans façonner l'esprit tinègue. Nous avons l'État, l'école, l'Église et les médias.
Et dans un quatrième temps, on a regardé la formation d'une élite qui colonisait et qui rôle élite ça a joué dans protéger les intérêts de l'Occident dans le pays. Et pour nous terminer, on a touché la mimicrie et le conflit d'identité auquel les Haïtiens a fait face journée aujourd'hui. Haïti, mes chers amis, c'est un des premiers pays noirs qui prend indépendance en 1804 après une révolte esclave que l'histoire de l'humanité n'a jamais connue. Mais ce qui est important, c'est que malgré cet exploit, pays d'Haïti n'a jamais à aucun moment éloigné de ce que nous a pas brûlé, les instabilités politiques et sociales. Et ceci pendant plus passé de siècles après que nous finissons pour l'indépendance, nous. Question ça a toujours posé et resté marqué dans l'esprit un paquet monde avisé. Est-ce que Haïti pas doué faire une deuxième révolution? Eh bien, c'est dans cette perspective que nous autres, les Bossales et Bossalaises, nous inscrit tête, nous. C'est dans la démarche, ça, que nous inscrit tête, nous. Et c'est une raison qui fait que, je dis, hein, nous essayons de venir avec des arguments clés pour nous capables de supporter des marches. Et telle notre position par rapport avec révolution, ça. Comme dis-nous, mes chers amis, que la première démarche là, qui consiste à mettre en évidence l'ensemble des échecs historiques, systémiques et instabilités qui a marqué l'histoire de ce pays, nous capable de dire question instabilité politique là, les prend racine dans ça nous sommes capables de considérer comme étant situation socio économique pays d'Haïti. L'ayon pays a fait face en permanence avec une détérioration de conditions de vie économique et sociale peuple, c'est normal pour attendre avec instabilité politique. Parce que l'ensemble des ressources économiques sont concentrées entre les mains d'une minorité mulatto-libanaise, ce qui fait que 95% de la population à majorité nègre est trouvée dans une situation socio-économique extrêmement difficile, détériorée, qui fait que yo en permanence à bataille pour yo capable bien entendu gain accès à ressources économiques et sociales dans la société haïtienne. Mais malheureusement ça débouché sur une forme de instabilité politique. Instabilité politique qui traduit dans les faits par changement de régime fréquent, ou ensemble de coups d'État et un ensemble de gouvernements et fantoches que nous gagnons et qui façonnaient l'histoire du pays d'Haïti. Maintenant, toute turbulence politique économique, politique ça y est dans le pays d'Haïti, y a façonné l'histoire nous, et empêcher nous arriver en quelque sorte à accoucher d'une nouvelle société plus juste, plus équitable. Nous pas qu'à connaître ça relais développement. Maintenant, faut nous comprendre que c'est pas bail qui est aussi simple. N'a vivre dans un pays côté si peuple a besoin de solution rapide. Il a besoin de solution rapide, il a besoin en quelque sorte et il un sauveur. Il y a besoin d'un monde qui pouvait nous dire, ok, demain si Dieu veut bonheur, bonheur, tout bagaille a changé. Tout bagaille va bien marcher. Et c'est une raison qui fait yo exposer à toute forme de solution maquillée, solution superficielle, qui empêche en quelque sorte qu'on ait, ça aurait été capable de lire des avenirs meilleurs. Raison, hein, c'est parce qu'en quelque sorte, j'aime ça dire nous là, nous n'avons situation de chaos systémique et systématique, côté que l'y empêcher, ça nous est capable de jouer
une stabilité qui était capable de faciliter la croissance économique et même le développement économique. Mais l'on société côté que inégalité socio-économique extrêmement criant, côté que ou jeune on va assister à une injustice sociale en permanence et l'État pas fait rien pour combattre ça. Maintenant on va clair que l'a toujours débouché sous crise parce que velléité masse peuple là en majorité nègre pour yo capable gain accès à avec ressources économiques et ressources sociales pour exister dans le monde, yo interdit yo accès ça, eh bien, c'est normal pour yo capable faire usage de la violence, usage de coups pour yo capable, en quelque sorte, forcer l'État pencher sous situation. Mais nous, ouais, malheureusement, c'est pas ça nous assister depuis quelque temps en dedans pays d'Haïti. Deuxième élément, c'est question qui a rapport avec ce qu'est économique et socio-culturel dans le pays par rapport à leur histoire coloniale. Depuis là, nous finissons pour l'indépendance, nous, conseillons de ce qu'est le pays d'Haïti qui manifestait à travers la présence permanente de la France dans le pays d'Haïti. Oui, ce qu'est l'économique, ça y est, modèle économique que nous utilisons dans le pays d'Haïti. C'est un modèle économique qui existait dans la colonie. Et rapports sociaux qui existent dans la société haïtienne dans journée aujourd'hui, ce sont des rapports sociaux que nous héritons, en quelque sorte, de la colonisation française. Qui fait que l'ensemble des structures économiques, sociales et culturelles en dedans dans le pays d'Haïti, yo en permanence présent en dedans pays a alors que nous héritons de la colonie. Ce qui fait que yo traduit dans les faits par yon groupe tinèg tegren qui pas dépourvu de tout moyen de subsistance, de toute ressource économique pour yo exister en tant que monde, ce qui fait que dignité humaine yo en quelque sorte en jeu. Et à l'intérieur de ces structures, yo vinn trouver une situation extrêmement difficile pour yo capable émanciper et exister en tant que tel. Ce qui fait que c'est quel ça yo que nous héritons de la colonie, de la colonisation française, vinn traduit à travers une nouvelle forme esclavagiste. Nouvelle forme ça de l'esclavage, l'y manifester à travers l'ensemble des structures économiques, sociales et culturelles dans le pays d'Haïti. Et si nous gardons bien, tout retard économique nous gagne dans le pays d'Haïti, yo relié directement avec poids que la France pesait dans la société à travers les structures économiques, politiques, sociales et culturelles dans le pays d'Haïti. Ajouté, bien entendu, avec le contexte de mondialisation que nous trouvons là, aujourd'hui, hein. L'ensemble des pratiques économiques néolibérales que l'Occident a dicté dans le pays à travers les organisations internationales telles que FMI, Banque mondiale, ok, qui a imposé un ensemble de politiques néolibérales telles que l'ajustement structurel, plan d'ajustement structurel, privatisation, libéralisation commerciale, ok, et tarifs douaniers nous qui baissaient, tout bagay ça yo en quelque sorte yo contribué à craser ça nous était capable les tissus économiques pays d'Haïti, qui fait que nous venons trouver nous dans une situation agriculture nous affaiblie et puis li augmenter pauvreté en dedans pays d'Haïti. Maintenant c'est ça qui fait li important pour nous comprendre que yon révolution li inévitable dans le pays d'Haïti parce que li visait à redresser l'économie nationale pays d'Haïti à travers une autre façon pour nous repenser modèle économique que nous gagnons là. Faut nous repenser parce que grand paquet de secteurs, grand paquet de pratiques économiques
que nous héritons, bien entendu, de l'histoire coloniale en dedans pays d'Haïti. Et il y a un bagage qui est important, c'est que au niveau social, fracture qui existe en dedans la société, entre les différentes couches sociales en dedans pays d'Haïti, son bagage est chargé lié. Disparité économique et sociale qui existe en dedans pays d'Haïti, à n'importe quel moment, il constitue un poudre à n'importe quel moment qui a éclaté en dedans pays d'Haïti. C'est des siècles de division de classe sous base couleur peau en dedans pays d'Haïti que nous hérité de l'époque coloniale. Les m'a parlé moi dit comme ça que oui un petit groupe qui représente 95% un grand groupe qui représente 95% en dedans pays d'Haïti qui c'est une nègre tête graine qui a subi OK toute forme de discrimination économique, politique et sociale en dedans société haïtienne là. Il y a monde qui pas comprendre ça dit les m'a exposé les faits pour montrer comment Tinek dans la tête grune, en quelque sorte, exposé avec toute forme de mauvais traitement en dedans propre société, en dedans propre pays, à cause de ce qu'elle colonial ça y nous gagne qui est que nous héritons en dedans pays. Alors vous savez que les aliénés, ils pas fait trop, ils pas trop à l'aise avec eux. Ce qui fait que, en quelque sorte, nous venons trouver nous dans une situation côté que, situation socio-économique, Tinek dans la tête grune, en dedans pays d'Haïti vinn rendre vulnérable par rapport avec la suprématie et l'hégémonie de classe mulatto libanéa qui constitue yo une nouvelle classe colon, OK, pour yo capable imposer volonté yo et volonté mettre yo papa yo qui c'est l'occident en dedans pays d'Haïti. Maintenant, là n'a parlé de inégalité socio-économique, là n'a parlé de division de classe, là n'a parlé de inégalité et culturelle dans la société haïtienne. Moi, nous connais de qui ça n'a parlé. N'a parlé de fracture sociale ça et disparité qui existait dans le pays d'Haïti sous base ethnique, sous base couleur peau. Et c'est ça qui explique aujourd'hui hein, que Gerpil nan nous qui refuse de garder ça en face parce que nous aliénés. Maintenant, comment travail d'aliénation ça fait? Travail d'aliénation, ça, il traduit, il manifeste à travers ça, nous capables les forces colonisatrices dans les pays d'Haïti. Qui force colonisatrice? Force colonisatrice dans les pays d'Haïti. C'est l'État, c'est l'école, c'est l'Église et c'est les médias. Maintenant, il doit pas le dire, oh oui, mais comment? L'ensemble de ces appareils, de ces institutions, yo là pour yo jouer un rôle dans l'esprit nous, pour yo coloniser mental nous, pour yo faire nous tourner des aliénés, et puis nous pour nous travailler contre tête nous, en tant que tinek. Et ces outils, ça yo, de colonisation mentale, ça yo, qui c'est l'État, l'école, l'Église, que la France quittait en pays d'Haïti. Ok? L'Occident, de façon générale, pour yo capable continuer perpétuer OK colonie modèle de colonisation que yo imposé nous en dedans pays a tinek dans tête grune à travers ce système que yo mettait en place là. Maintenant faut comprendre que ou pas dit ça ça veut dire par là yo n'a pas qui est important pour nous prêter attention c'est que ni influence ni pouvoir ni culture en dedans pays d'Haïti yo façonné par ces institutions. L'État, l'école, l'Église et médias. Maintenant, sous gardez bien, ce sont des instruments, des outils puissants, très très puissants, que étrangers, l'Occident utilise dans le pays, pour le capable asseoir l'hégémonie, dominer nous, et formater nous. Qui ça yo fait? Ce sont des vecteurs, en quelque sorte, pour yon capable coloniser nous, ok, et pour yon capable en quelque sorte imposer valeur yo, croyance yo, et système éducatif yo, qui en quelque sorte privilégier et perpétuer intérêt occident en dedans pays d'Haïti. Ça veut dire,
pour nous arriver sortir dans situation nous y est là en dedans pays d'Haïti, faut nous attaquer problème dans la racine. Parce que ni l'État, ni l'école, ni l'église, ni média en dedans pays d'Haïti en tant que force colonisatrice en dedans pays d'Haïti, yo gon seul propice, yo gon seul objectif, yo gon seul mission, coloniser nous mentalement à travers ça nous te capri les valeurs et croyances et système éducatif occident imposé nous pour nous capables toujours privilégier et perpétuer intérêt occident en dedans pays d'Haïti. Comment nous de comprendre qui fait nous aimer blanc comme ça? C'est pas comme ça nous rester nous valoriser blanc au détriment de nous-mêmes, non? C'est pas comme ça nous rester nous valoriser et occident au détriment de nous-mêmes. Et pas comme ça tout ça qui sorti l'autre bord, c'est toujours plus bon pour nous en dedans pays d'Haïti, non? C'est parce que les forces colonisatrices qui c'est l'État en dedans pays d'Haïti, l'école congréganiste en dedans pays d'Haïti, l'église catholique en dedans pays d'Haïti avec les médias, toute force ça yo travaille en tant que appareil idéologique. Yo travaille de façon telle à imposer à tinèg noite green les valeurs occidentales. Et yo fort travail même pour capable toujours à défendre et valoriser tout ça qui sorti en Occident. C'est travail yo ça. Yo là pour perpétuer travail ça en dedans pays d'Haïti. Alors, là où on a prôné révolution, on a prôné révolution contre les forces colonisatrices, contre l'État, contre le modèle l'État, ça nous connaît, ça nous relève l'État pétionniste, là, en dedans pays d'Haïti, qui est implanté depuis 1806, avec pour objectif maintenir et asseoir l'hégémonie des valeurs occidentales en dedans pays d'Haïti, c'est-à-dire valeurs la France imposée en dedans pays, là, forme de colonisation mentale, l'école congréganiste de Concordat de Damé, qui toujours continue dans la même perspective ça, à renforcer la domination culturelle de la France en dedans pays d'Haïti. L'église catholique en dedans pays d'Haïti joue un rôle prépondérant dans maintenir et renforcer la domination hégémonique de l'Occident en dedans pays d'Haïti et les médias. Vin jouer ça. Continuer, venir renforcer dynamique ça pour asseoir hégémonie. Parce que là nous garder bien l'école congréganiste, ce sont des outils d'assujettissement. L'école congréganiste c'est plus gros moyen l'État colon utilisé en dedans pays d'Haïti pour être capable en quelque sorte établir l'ordre et orienter yon élite que yon construit, que yon préparé vers tout ça que nous capables les exogènes. L'école, ça nous est les congréganistes, ça, là, en dedans pays d'Haïti. C'est pis mauvais bagay qui t'es qu'à gagner. Yon mette en place ensemble de programmes scolaires qui visaient à véhiculer, ok, des, yon ensemble de pédigré culturel propre qui attaché avec l'Occident. Tout sortant de n'a pas prendre dans l'école ça yo. OK? Tout contenu, tout programme, tout curriculum que l'école coloniale ça yo mettait en place en dedans pays d'Haïti, l'école congréganiste ça yo, yo visait en quelque sorte à cococter, à préparer une élite. OK, yon élite colonisée. Question langue, littérature, l'histoire, tout ça y a pas prendre nous ces bagages qui tournent vers blanc, vers l'Occident. Langue française, grammaire française, OK, histoire de la France, histoire de l'Occident, littérature française, tout regardez, toute panoplie culturelle ça li vise yon seul bagage à renforcer la domination de l'Occident, la domination française culturelle de la France au détriment de notre culture locale, au détriment de nos valeurs locales, au détriment de notre identité locale. Et c'est ça fort où nous avons tout alliés, les zombies, ça, dans la vie d'Haïti.
nous gen tout zombie sa yo la, zouti sa yo, l'église, l'école, l'état, média, tout a travail aux intérêts de l'Occident. Tout c'est au service de l'Occident a travail. Dernier crasse net. C'est ça que fait ou gen tout zombie sa yo, tout si aliéné, esclave mental sa yo, ou nous gen dans le pays d'Haïti. Dernier crasse net. Et vous avez travail. C'est pas petit complot qu'il a. Ouais, m'identifier pour nous les forces colonisatrices de l'esprit haïtien. L'esprit haïtien pas pour lui. Tout l'esprit nous net colonisé. Mental nous net colonisé. Pas rien dans l'esprit nous qui pour nous. Tout ça y a pas prendre nous. Curriculum, programme, culture, langue, littérature. OK, l'histoire dernier crasse net a préparé nous pour nous sembler avec un petit Sébastien en France, pour nous sembler avec la France, pour nous sembler avec blanc français, pour nous sembler avec l'Occident. Dernière classe. Et c'est ça fait nous, c'est ça fait ouais nous raille tête nous comme ça, si nèg. Ouais nous pas blé ouais tête nous. Ouais nous pas blé ouais nous. Tout ça qui local, tout ça sembler avec nous pas blé ouais. Dernière classe. Parce que en réalité, yo fait nous raille tout ça local, tout ça qui fait qui sortit en dedans pays. Parce que, et pas faute nous tout en réalité, parce que structure ça yo, que m'a cité là, institution ça yo, que nous héritons de la colonie, l'État, l'école, l'église, médias, tout a travail de concert à maintenir l'hégémonie occidentale en dedans, culturelle de, en dedans pays. Oui. C'est l'esclavage mental pur. Oui. Ou pas capable de pays, non? Sous pas qu'à remettre en question ces forces colonisatrices en dedans pays à qui c'est l'État qui a dominé et oppressé l'esprit du peuple là pour empêcher le monde en dedans société. On est là. Maintenant, l'important, nous-mêmes au niveau qu'a prôné révolution ça, nous inscrivons nous dans perspective de décolonialité, de décolonisation mentale, à travers la mise en place des institutions, ok, Université Bossal, qui visait à créer un espace de résistance et de libération nationale. Et c'est objectif ça, c'est pour ça nous là, non seulement comme outil pour nous exposer, dénoncer ces forces colonisatrices en dedans pays, mais aussi proposer une alternative, une nouvelle idéologie, une nouvelle vision de l'haïtien, une nouvelle conception de nous-mêmes en tant que peuple noir indépendant, qui chita sous dignité nous, qui chita sous valeur que nous-mêmes nous représenter en dedans monde ça, une jodia. Sans ça, guys, nous faites commencer à passer misère. Tu m'expliquer nous bien pour nous comprendre ce dont il est question quand je parle de des forces colonisatrices et de l'esprit. Nous avons l'État, l'école, l'église et médias en dedans pays. Oui, ce sont des instruments de colonisation des esprits. Et en réalité, c'est façon yo utiliser institution ça yo qui problématique. Yo utiliser institution ça yo de façon telle pour yo imposer idéologie et cosmogonie ou bien cosmovision de l'Occident en dedans pays d'Haïti. Même a dit nous aujourd'hui là avec le mouvement Bossal, cette instrumentalisation de ces appareils idéologiques n'est pas une fatalité. Au contraire, avec la révolution, nous capables de mettre en place ce qu'on appelle de nouveaux programmes, un nouveau curriculum en dedans pays d'Haïti qui visait à valoriser notre histoire, notre langue créole là, ok, qui pour permettre nous décoloniser l'esprit tineg, pour tineg commencer à réfléchir sur l'autre haïtien, sur l'autre monde que nous y sommes, sur l'autre conception, sur l'autre vision des choses. Mais je vous dis là, les nous gain l'État comme un instrument de domination, comprenez? Ni loi nous mettez bon grand monde qui te parle avec m'a pas expliquer ça pas comprendre nous dit monsieur même loi nous rendez dans pays et loi ces outils de colonisation hein? Code civil nous gagne dans pays d'Haïti c'est code civil Napoléon nous héritons de Napoléon 1805 oui? c'est lui défini et gros cause groupe modèle de gouvernance nous gagne dans pays d'Haïti
C'est eux-mêmes qui imposent langue française là comme langue officielle dans le pays d'Haïti. Culture, idéologie, ils ont imposé pour nous. C'est ça que fait l'État, ça nous gagne là, l'État pétionniste là. C'est un plus gros instrument de, domination coloniale nous sommes capables de gagner dans le pays d'Haïti. L'Église catholique vient en deuxième position comme outil, comme instrument pour coloniser et maintenir système colonisation ça en Haïti en dedans pays d'Haïti. L'école coloniale nous gagne en dedans pays. Gens qui pensent FIC. FIC frère de l'instruction et de l'instruction chrétienne. C'est plus gros outil puissant que l'Occident la France t'a utilisé pour maintenir hégémonie culturelle et coloniser ti nèg noir tête grenade dans pays d'Haïti. Bon c'est à travers instrument ça yo préparer élite coloniser nous et nous gagner dans pays d'Haïti. Volons ça nous rendre dans pays qui les têtes yo élite. OK? Qui les têtes yo élite et pourtant c'est eux même qui a servi, qui a desservi l'intérêt des États-Unis des occidentaux au détriment des intérêts nationaux. Au détriment des intérêts nous dans pays d'Haïti. Yon dal yo tout nèg ou k ap vénérer tête yo la comme élite intellectuelle. Son dal coloniser mental yo. On dal épave. La France, l'Occident pas prend yo pour rien. Son dal tchoul qui la que FIC préparé comme esclave mental pour venir dans pays a prend pose pas les français fait caca. Depuis ton son dal coloniser mental yo. C'est celle en Haïti, yo préparé pour yo défendre intérêt français, intérêt blanc, intérêt États-Unis. Et c'est fait yo pas garder blanc danger. Oui, ben esclave ça ou ben esclave mental ça en dedans pays. C'est ça que là m'a parlé, yo un problème avec, yo pas comprendre démarche moi, yo pas comprendre dynamique moi, yo pas comprendre bataille moi parce que l'homme moun esclave nan bonni. Comment vle pour force colonisatrice ça ou l'État? L'école, l'église, média, afanos, afasonne brin neg la, pour le raï pays, pour le raï territoire, pour le raï tête li. Tout ça qui bon pour lui, c'est ça tout l'autre bon. Comme disait ceci, comme disait cela, cadre référentiel li, référent li, c'est l'Occident. Bon, qui soit pour celle qui a produit de bon pour pays ça? C'est à faire que des bon cap, oui, pour que raison. Tout intellectuel nous gagne dans le pays, dernier cas échoué. Parce qu'on a le colonisé mental, yo, yo mette étudiant en Europe. Yo tourné en dedans pays, yo mette étudier Canada en France, quand yo tourné, yo pied au mari parce que yo pas comprenant rien en dedans pays, pas de cadre référentiel qui a opéré là-dedans, c'est l'Occident. C'est l'Occident qui fout l'an brin yo. Son dal ti nèg mais l'esprit au blanc. Son dal esclave. Média nous a jounen yo di a la, k'a fonctionner en dedans pays a la. Yo gon du rôle yo jouer dans perpétuer ça nous te k'a les stéréotypes coloniaux. En dedans pays a oui yo là pour yo promouvoir culture dominante en dedans pays d'Haïti culture dominant occident en dedans pays d'Haïti c'est ça à faire oui c'est promotion langue française média faire en dedans pays d'Haïti oui. C'est promotion culture occidentale média yo a faire en dedans pays d'Haïti oui. Tout média yo c'est propagande yo a fait pour idéologie occident idéologie néolibérale en dedans pays a premier force colonisatrice qui vient vendre nous langue française qui vient vendre nous culture occidentale qui vient vendre nous musique l'occident qui vient vendre nous ça nous est capable reler et politique néolibérale en dedans pays d'Haïti c'est média comprend média tant la presse et comment les médias ça et les nouvellistes tout ces médias ça. Et si nous remarquons bien, après majorité de ces médias, ça, médias en dedans pays d'Haïti, c'est en dedans ambassade américaine, ambassade de France, ambassade étrangère, ils mangent. C'est là seulement ils mangent. Tout directeur d'opinion, nous gagnons en dedans pays d'Haïti. C'est là qu'ils mangent, ils mangent. C'est l'Occident. C'est là qu'ils, l'ambassade de ils drivent. Toute formation yo recevoir c'est dans ambassade yo jeune tout petit journaliste Jol Bokye ou en nous gien dedans k'ap prenti Jol yo parle français esclave ça yo nous en nous gien là k'ap renforcer pour faire promotion pour culture pour langue française pour culture occidentale pour valeur occidentale pour vision occidentale en dedans pays là en dedans pays là tout vicieux ça yo c'est dans ambassade occident yal chita ambassade américaine ambassade Canada ambassade la France ambassade ceci c'est là et là yal manger oui grand goût ça.
tout des vicieux, c'est ça que tu vois, là, il y a travail contre pays, il y a travail contre jeunesse pays. C'est ça que nous toujours, petit journaliste grand goût, ça, petit journaliste vicieux, ça, yo toujours, ou pas, tout, quand yo fin travail, c'est l'Occident, c'est les États-Unis, yo vin rete, yo vin drive. Quand yo fin travail pour blanc, ouais, c'est les États-Unis, yo vin drive. C'est le Canada, yo drive. C'est la France, yo drive. Et les moun yo, en dedans pays, ya. Non, y'a pas faute, yo tout, son dal colonisé mental. Maintenant, là, nous arrivons là, c'est ça, m'a dit à l'air, là. La formation d'une élite colonisée au service des intérêts coloniaux. Nous pensons la France imbécile. Nous pensons l'Occident imbécile. Comment nous faire penser au présent dans le pays comme ça? Comment nous faire penser à dominer nous comme ça? Parce que vous préparez une élite colonisée pour nous. Élite ça, li pi dangereux. Passer la France, yo pi dangereux. Passer là l'Occident. Élite cap défendre intérêt l'Occident dans le pays. Yo prépare Kalambe ça au même. C'est eux même qui dans l'état, c'est eux même qui dans l'école, c'est eux même qui dans l'église, c'est eux même qui dans média, c'est eux même qui dans grande entreprise. C'est eux même qui forment société civile. Élite Jolbok qui est colonisé ça. C'est eux même qui dans société civile, c'est eux même qui dans l'état, c'est eux même qui dans média, c'est eux même qui dans l'école, c'est eux même qui dans l'église. C'est ça que fait à chaque fois où on a un gouvernement qui décide de combattre intérêt occidentaux dans le pays, où il a créé chaos, il a assassiné, il a bal coup d'état, il a mangé, et pourtant de, oh oui, l'église dans manifestation, l'école dans bloquée, et dans manifestation, ou dans des médias levés contre l'état, ou dans des sociétés civiles, Jolbok qui a grand goût, élite vicieux, levé contre gouvernement, parce que ce sont des forces colonisatrices en dedans pays d'Haïti qui parlent pays ça qu'on est ça les changements pour y venir pour nous connait ça les voies de développement économique. C'est pas petit piège nous prend là non. C'est pas un petit complot nous prend là non. Ni hard word ni soft word là. Dernier crash net c'est colon. L'état colon. L'école colon, l'église colon, média colon, économie colon, société civile colon, ONG colon, tout près, regardez, dernier crasse bagaille, institution, entreprise, qui en est dans le pays d'Haïti, toutes ces forces coloniales. Bon, comment ti peuple ça va le faire vivre tant que moun? Comment nous va faire exister tant que moun? Avec tout instrument ça yo, tout outil ça yo, tout force coloniale ça yo, qui l'est? Comment nous va vraiment vivre dans le monde? Comment nous va faire vivre dans le monde? En bas système ça, l'aime dit système non. L'aime dit comme ça, faut nous bataille contre système colonial ça en dedans, système pétionniste mais milati au Liban en dedans pays. Il y a quelqu'un qui va comprendre? Appareil idéologique yo, appareil oppressif yo. L'état, l'école, l'église, média, société civile, entreprise. C'est eux-mêmes qui ont utilisé pour oppresser le peuple. Pour que les 4... D'après nous-mêmes, les nous 95% de nègres ont tête green. Accepter 5% de milat si au Liban est dominé. Nous pensons que c'est comme ça. Nous pensons que c'est comme ça si le peuple a accepté milat dominé. Nous pensons que c'est une question. Comment faire 95% si nèg noir tête green. Nous plus en dedans pays. Mais c'est nous plus pauvres. Et puis moun ki groupe moun ki pi piti a, c'est eux plus riche en dedans pays a, et c'est eux milat si au Libanais. Et puis nous tout croiser bras nous accepter. Nous va nous poser cette question comment ça fait faire? Eh bien, c'est pas faute nous non. L'orgueil et l'état pétionniste ça. Ajouter avec l'école congréganiste ça yo, mélanger avec l'église catholique qui vient jouer avec un média colon. Guys, mandez mon Dieu pardon. C'est pas si complot là non. Qu'on ne pas passer. Appareil idéologique ça yo grand monde. C'est yo kimbo nan dormi qui faut pas ka réveiller pour lever pour faire révolution, pour changer condition. C'est yo oui.
qui est bon à courir comme ça, je dis à la. Là, je parle de révolution, je dis à la bien. Guys, en vérité, bon Dieu, je dis à la bien. Où est là? C'est eux même qui forment élite, qui préparent élite, ça, où est là? Là, où est négio, pas qu'à faire un yandé dans le pays, nous, parce que c'est comme ça. L'autre, où élu yon nèg, nèg la c'est élite politique, ou de élite économique, ou de élite intellectuelle, ou de élite sociale, ou de élite culturelle. Adje! Nous pas j'aime poser tête nous question, qui l'école Kalambe sa ou formé? Comment, qui intérêt Kalambe sa ou a servi? Son dal vient tchampan, l'Occident fin préparé comme bon retardement. Et puis le relé yo élite, et puis le voye Jolbo qui est yo ba nou la. Et puis Jolbo qui est yo rivende dans le pays, a parle français, fait caca, vend moun l'Occident, dire Jol yo de bo, pas préglant yin se riende dans le pays. Salon pris ça, c'est ça ou vin reglande dans le pays. Nous vous yo parle de nous, yo parle vin changer pays, qui côté? Ou vous yo parle de nous pour nous vin, pour nous sortir dans la situation nous ya, wap kon George. C'est travail l'Occident yo vin faire. C'est job l'Occident yo vin faire. Ah bon, nous gèlè pas ceci, Dieu. Eh, pas si. Yon nan pi gros stratégie l'Occident utilise en matière d'éducation. C'est préparer yon élite colonisée. Yon dal vertébré intellectuel. Jol Bokye. Qui pi danger. Alors, m'a dit nous ça. Toute puissance colonisation mentale là, la France a exercé en dedans pays d'Haïti. C'est à travers le système éducatif nous gèlè là. Qui structure même pour préparer une élite qui pour comporter de façon telle. On va dire. Système d'éducation, nous gagnons là. C'est assimilationniste, oui. Il va préparer nous pour nous réfléchir, non? Il prépare nous pour nous réciter. Pour nous réciter. C'est ça que tu entends. Tout n'est pas intellectuel dans le pays d'Haïti. C'est mimicry. C'est assimilé. C'est récité ou récité. On dans l'esclave. Ouais. Là où est élite ça prend pouvoir. Adieu. C'est eux même qui nous voient colon élite là. Après il y a monde qui dit comme ça, oh oui, ça me gagner avec élite. Bon élite dangereux. Moi connais élite là bien c'est pour ça là. Pour faire travail occident, pour faire travail blanc. Gon c'est des questions à poser, nous pas jamais poser, nous pas jamais comprendre yo. Élite ça papa. C'est occident, yo puis blanc parce que blanc. Élite ça puis français parce que la France, yo puis américain parce que américain, yo puis canadien parce que canadien. Et c'est yo qui empêche nous. Si nèg dans tête green révolte. C'est yo te pêche ou changer condition élite ça. Depuis ces bagaille blanc. Yo vend nous comme bagaille bon Dieu. C'est dans ciel lié. Yo toute radio, toute télévision, l'école, l'église, banque, entreprise, société civile, classe moyenne. Tout ce travail l'Occident y a fait, tout ce travail blanc. Blanc. Et vous avez un problème avec moi. Tout problème autant de vous avez la révolution. C'est parce que vous comprenez bien et m'a dénoncé, m'a exposé. Vous dites, mais le problème qui gagne, c'est que vous avez un menace. Vous avez un menace. C'est parce que moi-même, je passe dans la même filiale. Et dans la structure, je passe tout. C'est là que je passe, je viens comprendre. Nous comprenons jouet là. Et non, même l'école coloniale l'a formé tout. Hein? Et même piste, mais elle fait au père, il y a un problème avec elle. Elle pi bien formé parce que yo. La donne. Parce que je connais, c'est dans mimi qui yo vive. Je connais, il y a un problème d'identité, il y a un conflit d'identité. Il y a un gros problème. Et c'est ça tout problème qui fait ouais, journée aujourd'hui, elle m'a parlé de révolution. Il y a un problème, il y a paniqué. Moi, je ne parle pas de révolution, pas dans la bouche, ma pied, non, papa. Ouais, au travail, m'a fait là, de colonisation mentale.
pour nous préparer l'esprit du peuple là, pour nous comprendre l'intérêt nous. Vous comprenez? Pour nous comprendre l'intérêt nous. Pour nous identifier vrai ennemi nous. Pour nous identifier force colonisatrice. Pour nous identifier wall élite ça qui gagne dedans pays à que l'Occident préparé pour perpétuer domination l'occidentale la idéologie dominante occidentale là en dedans pays d'Haïti depuis plus passé deux siècles. Tinek doit être grenade victime de domination ça en dedans pays depuis plus passé deux siècles. C'est pas si complot donc il a élite locale la pidan heureux parce que l'Occident élite ça l'homme m'a dit comme ça et classe mulatte au Libanais avec classe aliénée. M'gouza va parler. M'gouza va parler. M'gouza va parler. Et c'est ça que fait au Pablo, ouais. Et ça fait au Pablo révolution. Et c'est ça que fait, ouais. M'a écrit un livre là. M'a travaillé un livre là. Pourquoi la pourquoi et Haïti a besoin d'une nouvelle révolution? Et bon travail. Gè moun yo, et a fè m'fè, ou a m'fè nan façon m'fè là, et pou ti aliéné yo. Nou gè lè pense question révolution son jouet liye, son nécessité historique liye. Si nou vle vivre tan koun moun, avec dignité, avec respect, nou pa ka fè nou, nou pa ka fè sans nou pa fè révolution non. Révolution soit de remettre en question l'État, l'Église, l'école, médias. Parce que l'ordre du système, tout appareil au travail de conseil pour maintenir l'ordre social des choses. Pour qu'un beau, si n'est pas une graine dans l'esclavage, dans la situation où il a. Elle a une gagne gap propos intellectuel. Depuis tande yo di ma ici intellectuel mouri. Mwen ri. Gagne ki te di li li intellectuel. Mwen ri. Il dit oh en Haïti gagne intellectuel. M tellement ri, li paniqué. Ou gagne colonisé, ou gon dal colonisé mental, kon yo di m goza oh oui, nous gagne intellectuel. Intellectuel, nous gagne intellectuel en Haïti. Pour intellectuel, tout autre pour qu'on remette en question l'épistémé occidental là, qui est au fou et dans le brenou. Quand on parle d'intellectuel, comment on parle d'intellectuel? Bon, on va penser sur la pensée. On va même penser sur la pensée. Il faut produire une réflexion sur le mode de pensée. On va pas qu'on que l'Occident est posé là, kaywa, dans le brenou. Bon, et vous, intellectuel, dans qui sont intellectuels là? Ou prenons dans l'épistémé, ou prenons dans le paradigme, ou prenons dans la théorie sociale, ou prenons dans le. Ou juste fouiller ou dans le brin nous, venez répéter K40 dans le pays, venez bluffer 80% peuple qui par contre lit, et vous, on a deux intellectuels. Chita la répéter, tout cadre référentiel où c'est l'Occident, tout le monde, tout s'organise comme référence, c'est l'Occident, ou quand on est esclave mental, et vous me donnez où intellectuel qui bon? Qui réflexion produit sérieux en dehors de carcan occident, en dehors de cadre référentiel occident? Ou bien on boxe ou la donne ou à réfléchir en dehors de box? Et vous intellectuel? Comment vous intellectuel? Vous avez nous intellectuel qui bon? Qui connaît nous passer nous jeunes? Son dal vieux esclave qui chita sous mimicry, cap imiter l'Occident. Qu'après parler, depuis on parle, c'est Hobbes, c'est Locke, c'est Montesquieu, c'est ceci, c'est cela. Nous avons des intellectuels. L'intellectuel, dans qui ça, dans qui bon, avec quel est, dans qui livre, qui connaît nous passer. L'homme dit ça. Et puis, l'homme, l'homme dit ça, il panique. Il y a un problème avec moi parce que je suis supposé venir gratter d'où yo, je suis supposé venir flatter yo, venir dire oui, c'est gros intellectuel. Ma bataille
ma bataille, me comprendre, une compréhension. Ma bataille, m'a mené un mouvement, m'a mené une bataille pour accoucher l'autre société ou l'autre pays où des nèg noir tête grande vivre tant pour monde. Qu'on y a nèg la vinn parler d'intellectuel. Gen intellectuel en Haïti? Gen intellectuel en Haïti? Qui côté au passé? Nan qui côté au passé? Yeah, ok. En tout cas, guys, j'aime dire nous, à travail sous problématique ça, ok. J'aime dire nous, et nous continuons à mener bataille là. Ok. Faut révolution faite, et la fête, vous pas vous faut le faire. C'est dans ça nous inscrit tête nous. Il n'est pas facile, il n'est pas tout le monde qui va comprendre. Et bien, il y a tout le monde qui va comprendre des matchs là. Bataille ça, il y a tout le monde qui va comprendre. Il y a fait révolution, pas fait pour tout le monde. Révolution, c'est une révolution qui là pour un groupe nèg organisé, structuré tête de façon telle pour accoucher une nouvelle société ça. Et révolution, c'est celle alternative que nous gagnons. Pas rien menti. Et pas rien qui va faire me faire bac. Nous dit révolution, révolution. Quand Pégoumé, Bossal yo red. Nous même Bossal nous pas fait, nous pas soumis, Bossal pas soumis, Bossal pas trahi, Bossal pas fait bac, Bossal pas fait lâche. Bossal pas soumis, Bossal pas trahi, Bossal pas fait bac, Bossal pas fait lâche. Bossal pas soumis, Bossal pas trahi, Bossal pas fait bac, Bossal pas fait lâche. Jésus-Christ, c'est le chef Bossal yo. Campé goumenye. Et cap dit Jésus-Christ blanc, pas Jésus-Christ blanc. Non? Eh, négal dit, oh, Jésus-Christ blanc. Et va Jésus-Christ blanc, non? L'aime dit Jésus-Christ. Jésus-Christ, et va Jésus-Christ blanc, non? Ça m'a donné l'autre bagaille. L'aime parler de Jésus-Christ, non, dynamique, métaphysique, red. Son l'autre bagaille m'a traité là. Ok? So, Piganova, il dit Jésus-Christ blanc, c'est là. À son l'autre bagaille, cette charge. Bon, bon. Moi, mais nous, nous souhaitons passer bonne journée. Va décourager, Kembe là. Ciao.